les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, une vidéo incroyable et magique puisque forcément, oui, on va parler de Resident Evil, mais pas des jeux. Oui, ça y est, enfin on en avait beaucoup parlé sur la chaîne, il y avait des bruits de couloirs, des rumeurs, on était sûr, on n'était pas sûr, bref, là on arrête de tergiverser. La série Resident Evil Netflix vient d'être confirmée officiellement par Netflix et je vais donc vous livrer tous les détails. Je croise les doigts. Comme ça, je croise les doigts pour que ce soit exceptionnel. Ça fait toujours un petit peu peur, les adaptations, films, séries de jeux vidéo. Mais ça fait vraiment plaisir et la hype est bien présente. Voici les premières informations, les amis. Alors première chose, effectivement, Netflix a officialisé cette série. Donc qui va se dérouler dans le monde de Resident Evil. Ça s'appellera, eh bien, très sobrement Resident Evil, tout court. Et l'intrigue, si elle proposera une nouvelle histoire, intégrera des éléments de la licence originale. Donc j'espère effectivement qu'ils vont revenir sur la création d'Umbrella et qu'on reviendra sur les événements du manoir. Ça marque quand même le début de la série, je trouve que c'est très important qu'il y ait ce genre de choses, qu'il y ait ces éléments-là dans une série. C'est une série qui sera écrite par Andrew Dabb qui se cache derrière Supernatural, entre autres, qui est une excellente série que je vous conseille. Et donc la série se déroulera à travers deux chronologies bien distinctes. Et comme les rumeurs le laissaient entreapercevoir, on suivra Jade Wesker et Billy Wesker, les deux progénitures de Wesker, notre cher Albert Wesker. Donc voici le synopsis officiel de Netflix qui a été publié tout récemment. Dans la première chronologie, les sœurs de 14 ans, Jade et Billy Wesker, sont transférées à New Raccoon City, une ville industrielle et manufacturée imposée à eux alors que l'adolescence bat son plein. Donc déjà, on va avoir une nouvelle Raccoon City. Mais plus il s'y passe de temps, plus elles réalisent que la ville est plus qu'il n'y paraît et que leur père cache peut-être de sombres secrets. Bah tiens, on va vous raconter les filles. Des secrets qui pourraient détruire le monde. Coupure, à la deuxième chronologie, bien plus d'une décennie dans le futur. Il reste moins de 15 millions de personnes sur Terre et plus de 6 milliards de monstres, de zombies, donc des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade a maintenant 30 ans et lutte pour survivre dans ce nouveau monde tandis que les secrets de son passé, sur sa sœur notamment, son père et elle-même, continuent de la hanter. Moi, je ne sais pas vous, mais comme ça, sur le papier, deux chronologies avec des flashbacks, et c'est ce qu'on avait évoqué dans une précédente vidéo suite aux différents bruits de couloirs qui étaient sortis sur la série, moi ça me donne sacrément envie. Je trouve que ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir revenir en arrière, il y aura peut-être des flashbacks, on va peut-être voir les autres personnages, effectivement l'incident du manoir, bref. Pour l'instant, honnêtement, ça me hype. Il faut savoir que Netflix a donné son accord pour 8 épisodes d'une heure, donc c'est des épisodes qui seront quand même denses, généreux, et c'est Bowen Hodge, donc qui est derrière The Walking Dead ou encore Breaking Bad, qui produira et dirigera les deux premiers épisodes. Voici ce que dit Dabb dans un récent communiqué de presse. « Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps. Je suis extrêmement heureux de raconter un nouveau chapitre de cette histoire incroyable et de présenter la toute première série Resident Evil aux membres de Netflix du monde entier. Pour chaque type de fan de Resident Evil, y compris ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la série sera complète avec beaucoup de vieux amis et certaines choses, assoiffées de sang, des choses folles que les gens n'ont jamais vues auparavant. Bref, c'est ce que je disais, sur le papier ça a l'air cool, un nouveau Resident Evil à discuter donc sans manette, mais il faut voir effectivement si l'ADN et l'ambiance de la série de Capcom est respectée. Clairement, c'est super important pour moi. Encore une fois, le scénario a l'air cool, d'avoir plusieurs temporalités, je trouve que ça ajoute toujours quelque chose à une série si c'est maîtrisé, si c'est bien écrit. Après, il faut vraiment respecter les fans. Dans ces cas-là, il faut avoir du culot, il faut prendre des risques, il faut apporter quelque chose de neuf. On aura une nouvelle histoire, on va découvrir de nouveaux personnages. Ça, c'est une bonne chose, mais il faut quand même rester très attaché à ce que les fans connaissent. Il y a eu un début et une fin à une histoire qu'on connaît dans les jeux. Il faut que ça soit intégré à cette série. Enfin, il faut savoir que cette série sera développée hein, par la société de production allemande Constantin Film, qui était à l'origine des films Resident Evil. Ça pourrait peut-être un petit peu inquiéter les fans, mais après tout, ce qui va compter, c'est effectivement l'écriture et la manière dont c'est raconté. Pour Constantin Film, le plan est que la série
je cite, élargissent l'univers de Resident Evil et approfondissent la mythologie déjà existante. Donc du coup, ça, c'est plutôt rassurant. Bref, toujours est-il qu'en termes de Resident Evil, vous le savez, Resident Evil 8, Resident Evil Village plus précisément, arrivera en 2021. Et évidemment, dès que j'aurai des nouvelles du jeu, dès que je pourrai mettre les mains dessus, je vous en dirai davantage, et c'est vraiment ça qui nous intéresse, mais je trouve que c'est intéressant. C'est cool de savoir qu'on va aussi avoir une série. Par exemple, quand on regarde la série The Witcher, moi je trouve que c'est une très très bonne adaptation. Alors oui, effectivement, c'est adapté des romans, et ils ont pris simplement le visuel des jeux. Moi, c'est vrai que ce sont les jeux qui m'ont intéressé. C'est comme ça que j'ai découvert The Witcher, mais je trouve que ça a été bien fait et qu'il y a vraiment, en tout cas, l'ADN du jeu. Et puis surtout, il y a une super ambiance, c'est bien joué, c'est bien raconté, ça fait pas kitsch du tout. Et c'est ce que j'aimerais voir en fait dans Resident Evil, parce que c'est très délicat de traiter le thème du zombie sans avoir un aspect un peu nanar et un peu kitsch justement. Donc, une fois de plus, je croise les doigts, mais voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette série Resident Evil. Pas de date de sortie, pas d'arrivée sur la plateforme pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que le premier épisode s'appellera Welcome to New Raccoon City, donc bienvenue au nouveau Raccoon City. Alors justement, pour compléter un petit peu le pitch qu'on vient de découvrir, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, il y a même quasiment un an, avait déjà fuité un scénario, je vous le lis, et forcément, vous allez le voir, ça colle. La ville de Clearfield, Maryland, s'est longtemps tenue dans l'ombre de trois mastodontes apparemment sans rapport, Umbrella Corporation, le Greenwood Asylum, désaffecté, et Washington DC. Aujourd'hui, 26 ans après la découverte du virus T, les secrets détenus par ces trois entités vont commencer à être révélés dès les premiers signes d'épidémie. Oh là là, les amis, ça donne envie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas déjà à la partager et à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner pour aider la chaîne. Je vous rappelle que le test de Captain Tsubasa Rise of New Champions est déjà disponible sur la chaîne, et on se retrouve eh bien sur la chaîne de Julien dès 18h pour l'opening Night Live de Geoff Keighley. On fera le débrief ensuite, ici même, sur la chaîne, comme d'habitude, pour voir un petit peu voilà, les annonces qui ont été faites et parler des jeux. Histoire de se remettre un petit peu dans l'ambiance, on se quitte avec quelques images de Resident Evil 8 parce que la hype est en train de remonter tout doucement, en fait elle est jamais vraiment tombée chez moi. En attendant, merci d'avoir été avec moi une fois de plus et à très très vite pour de nouvelles aventures, ciao. Non, non, friendly, friendly. Who are you? Who sent you? What are they? They're coming. Who is?